Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Gigi. J'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes premiers achats pour les soldes. Alors, les soldes, elles ont commencé un petit peu avec les ventes privées pour certains sites internet. Moi, je profite en général des soldes pour m'acheter des sacs de bonne qualité, des sacs haut de gamme, mais à des prix soldés. Comme ça, je ne me sens pas coupable. Et je vais vous présenter ceux que j'ai sélectionnés pour cet été avec un petit bonus qui, lui, n'est pas très cher. Voilà, c'est parti. Alors, le premier sac, c'est de ma marque préférée de sac. Ce n'est pas une vidéo sponsorisée. J'aimerais bien, mais non, c'est juste une marque que j'aime beaucoup. C'est Coccinelle, c'est une marque italienne qui fait des sacs en cuir principalement de très bonne qualité et les prix varient entre 300 et 500 euros, ce qui fait quand même que c'est une belle dépense. Mais ils font des soldes et quand ils font des soldes, ils font vraiment des soldes. Donc moi j'ai acheté à moins 50% ce magnifique sac que je vais vous montrer. J'en suis très contente. Il vient dans un pochon comme la plupart des sacs de cette gamme de prix là et j'avais besoin en fait d'un sac un peu grand. J'ai beaucoup de petits sacs, j'aime beaucoup les petits sacs parce que c'est très pratique quand vous voulez juste prendre votre portefeuille et sortir. Mais des fois, vous voulez prendre des documents, vous avez des rendez-vous importants, il faut quand même avoir un sac qui puisse contenir ces effets-là. J'ai craqué pour celui-ci. Ah! Tout blanc. Voilà comment il se présente. Il n'est ni trop petit ni trop grand. Il n'est pas lourd. Il vient, je l'ai commandé du site hein, parce qu'ils n'ont pas de boutique en France. En tout cas, moi, je n'ai pas vu d'adresse en France. Mais comme je connais déjà leurs produits, je n'ai pas hésité à commander. Celui-là, il était de base à 370 euros et là, je l'ai acheté à 185. Et c'est du cuir et c'est magnifique. Tout en blanc, vous avez, alors, je vais enlever les protections là. Le voilà. Vous avez un premier fermoir là. Les finitions métalliques sont dorées. C'est du cuir grainé. Vous pouvez le porter à main, comme ça, au niveau du bras ou à bandoulière. Quand on ouvre ce fermoir là, on a des aimants, voilà, des aimantés. Donc vos documents ou ce que vous transportez, c'est assez protégé, ce qui est très bien. À l'intérieur, la bandoulière. Je vais faire sortir tout le papier. Vous avez un intérieur qui est, il est doublé. Une poche arrière, là. Et ici, tout l'intérieur, c'est du cuir, hein. C'est doublé en cuir. Même les poches pour le téléphone. Vous avez une première poche pour le téléphone, une deuxième de la même dimension. Voilà, tout simple, comme ça à l'intérieur. Je vais voir un petit peu la longueur de la bandoulière. Ma fille a faim. Alors là, j'ai fixé la bandoulière et je vais voir ce que ça donne porter. Alors à bandoulière, vous voyez, ça reste très haut. Je pense qu'on peut la régler, certainement. Oui, vous pouvez la régler après si c'est trop haut pour vous. Voilà. Sinon, vous le portez à main, comme ça. Voilà, en termes de dimension, voilà ce que ça donne sur moi. Et autre chose que j'aime bien aussi, c'est qu'il a des protections pour le bas du sac. Après un sac bon, vous n'allez pas le poser par terre de toute façon, j'imagine. Mais c'est toujours bien d'avoir ça pour protéger le cuir. Donc voilà le premier sac. Magnifique. En deuxième position, je crois que je vais rester debout. Ce sera beaucoup plus simple. Alors en deuxième position, ça va être une nouveauté pour moi. Je n'ai jamais acheté cette marque-là. Je verrai ce que ça donne. Mais déjà, à la réception du produit, je ne vais pas dire que j'ai été déçue. Je vais juste voir comment les finitions vont tenir, les fermetures et tout ça au fil du temps. Mais c'est de la marque Ted Baker.
Voilà, et j'avais besoin surtout d'une couleur spécifique. Je voulais du jaune, je n'ai pas de sac jaune. Et en été, j'aime bien jouer avec les couleurs. Si ce n'est pas les vêtements, ce sera les accessoires. Donc, j'ai trouvé ce petit sac-là. Il était soldé de 35%. Oui, ça devait être ça. Et c'était sur le site Wardoff. J'achète souvent des sacs sur ce site-là. C'est toujours du 30-40% de solde en général toute l'année. Donc, vous avez le temps d'acheter quand vous voulez, sans pression. C'est pas seulement pendant la période de solde. Donc, je voulais un petit sac jaune et j'ai trouvé celui-ci. J'aime bien son petit nœud là, vous pouvez le tenir par là. Sinon, la bandoulière, moi j'adore les bandoulières, ça rend la vie beaucoup plus facile. J'ai enlevé la protection de la bandoulière, je vais la fixer. Elle me semble déjà assez longue quand même. Oui, elle est bien longue, voilà. Comme avec le sac précédent, vous pouvez régler la bandoulière. Donc voilà. Voilà ce que c'est. Vous pouvez voir déjà la différence de look avec le sac blanc. Ok, le sac jaune. Les couleurs, c'est vraiment c'est quelque chose de très intéressant. On va avoir un petit sac que j'ai trouvé sur Shein à 30 €. C'est ça, cela vous le voyez toutes les saisons. C'est le petit sac en bambou pour aller à la plage quand on ne veut pas abîmer ses sacs en cuir. Bon, j'ai fait craquer le pochon. Bon, c'est pas grave. Et voilà. Parfait. Oui, il est juste parfait. Ce que j'aime en fait, c'est le fait qu'ici ce soit assez souple. Je vais pas avoir mal aux mains parce que des fois il y a du, quand c'est fait en bois, ça peut faire mal. Et là, j'aurai pas ce problème avec celui-là. La couleur, c'est du passe-partout. C'est vraiment vraiment parfait. Là, il y a pas moyen de le fermer. Si je prends mon portefeuille, ça rentre. Voilà, vous pouvez mettre portefeuille, lunettes de soleil, les petits objets et vous êtes bien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé, laissez un like, un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et je vous retrouve très vite. Salut !